Buenas tardes. Vamos a continuar nuestro debate de hoy en la mañana sobre la cultura y el desarrollo sostenible en la Agenda para el Desarrollo después de 2015. Y continuaremos con la lista de oradores de la serie sesiones de alto nivel de esta mañana. Me permito ahora dar la palabra a la excelentísima señora Mirela Cumbaro, ministro de Cultura de Albania. Tiene usted la palabra. Merci, Monsieur le Président, Madame Bokova. Malheureusement, je ne sais pas chanter aussi bien que la chère collègue de Haïti, mais je suis quand même ministre depuis moins d'un an, ministre de la culture d'un pays qui s'appelle l'Albanie. C'est comme si j'avais chanté. La perception collective assigne à ce poste, au poste des ministres de la culture, une certaine légèreté. Cliché qui poursuit, chers collègues, vous êtes là pour me corriger si je me trompe, tous les ministres de culture de tous les pays en général. Eh bien, je vous avoue, et vous pouvez me corriger toujours, que c'est plutôt le paradoxe qui nous suit. Car plus le pays a des problèmes économiques, plus la tâche du ministre de la culture devient lourde. Et c'est le grand moment de comprendre que le rôle de la culture devient extrêmement important lorsqu'on accepte que la culture n'est pas un luxe qu'on peut ajouter à l'existence quand tous les problèmes sociaux sont résolus. Au contraire, il s'agit de l'élément central de l'exclusion sociale, car ce sont les barrières culturelles, l'ignorance, la honte, l'incertitude générale qui entrave la participation politique et sociale et qui touche aux valeurs les plus élémentaires de l'existence. Le nouveau gouvernement albanais, qui a pris ses fonctions en septembre 2013, a pris la grande décision de dédier à la culture un ministère à part. À la différence des formules précédentes où la culture partageait un ministère avec le tourisme, le sport, les affaires de la jeunesse, etc. Et ce n'est pas par hasard que maintenant nous avons un seul ministère dédié à la culture parce que nous sommes convaincus de l'importance qu'il faut accorder à l'investissement culturel dans notre pays. Le principal atout de la culture est de pouvoir influencer les systèmes de pouvoir, y compris les systèmes antidémocratiques. Je sais bien de quoi je parle. Après avoir vécu 25 ans de ma vie sous une dictature parmi les plus féroces, et c'est grâce aux ressources cachées de la culture que nous avons pu en sortir sans perdre la force ni l'espoir. Sans culture, il n'y a pas de développement. On s'accorde tous. Lorsqu'on échange des idées sur les affaires culturelles et que le sujet n'est rien d'autre que la culture, comme c'est heureusement le cas aujourd'hui encore. Cependant, lorsque la liste de préoccupations s'étale, les communications changent de discours et la culture sort de la scène du débat pour laisser la place centrale à l'économie seule, comme le pilier unique qui fait avancer les sociétés humaines. La culture devient par la suite l'annexe, ou le plus souvent, un sujet de plaisir dont on pourra aussi se passer, surtout en période de crise où elle garde, par contre, la première place sur la liste des réductions budgétaires. Suivant cette logique simpliste, on ne dépense pas d'argent pour la culture, car il y a toujours d'autres priorités. Or, si on tourne la tête derrière, dans l'histoire, on se rendra bien compte que si les systèmes économiques se transforment, les modèles de gestion changent, la culture s'hérite. Alors, revenons à la culture comme la valeur fondamentale qui ne nous trahit jamais, et que pour cette raison aussi mérite la place d'honneur. Mais aussi, surtout,
parce que nos sociétés ont besoin d'elle. Tous les documents des Nations Unies, de l'UNESCO et des grandes conférences sur le développement durable ont défini trois piliers pour le développement durable: l'environnement, le développement économique et la cohésion sociale. Ces trois piliers, cependant, ne vont pas tenir si on ne rajoute pas le quatrième pilier, la culture. Le développement durable peut être garanti seulement si on installe l'harmonie entre la diversité culturelle, l'égalité des chances, la sensibilité à l'environnement et les réussites économiques. Ceci est d'autant plus important dans les petits pays, lorsque ceux-ci sont également confrontés à un certain nombre de défis qui s'associent aux petites économies périphériques, tels que les systèmes de gestion et d'information faibles, la pénurie de personnel qualifié, un niveau de formation qui laisse à désirer, le manque d'expérience dans le domaine de la piraterie, les carences législatives, les faibles institutions publiques, les petits marchés, bref, ce sont des éléments qui étouffent les investissements et freinent le développement. Alors, à ce moment, on a besoin que la société agisse plus vite, plus rapidement, avec beaucoup plus de force. Mais la société ne le fera pas d'elle-même. Il faut la préparer. Il faut éveiller en elle tous les éléments qui feraient des femmes et des hommes du pays des êtres actifs qui prennent part dans la prise des décisions. Les seules mesures administratives ne suffisent pas. Il faudrait les toucher, ces hommes et ces femmes, par leurs émotions, leurs histoires, leurs valeurs culturelles en partage avec leur passé et leur avenir. Et ceci, ce n'est pas l'affaire d'un jour, ni d'un mois. En tant que ministre de Culture, je suis convaincue que la culture a un rôle très important à jouer dans l'éducation de la population. Notre nouveau programme d'éducation à travers la culture est un défi que nous avons assumé et auquel je crois fortement. L'éducation n'est pas une affaire de l'école seulement. Les institutions d'art et de culture doivent assumer ce rôle également, de façon consciente, professionnelle et organisée. Car ceci a un double effet. Tout d'abord, éducation de l'esprit, éducation esthétique, enrichissement des connaissances. Mais cela vise aussi l'éducation à la communication, à la socialisation, aux valeurs des droits de l'homme, et la sensibilisation à l'environnement, à la protection des valeurs communes, du patrimoine culturel. Il y a 23 ans, la société albanaise était une société entièrement fermée sous la dictature, par la dictature. La sortie en était une délibération totale, mais pas facile. Quitter le modèle où l'État pensait à tout et privait les individus de toute initiative, voire de leur pensée, a eu des conséquences en matière de comportement, de relations que l'on crée en société avec la communauté et les valeurs communes. Mesdames et messieurs, la liberté n'est pas simple à gérer. Cela s'apprend aussi. Savoir accepter et inclure l'autre, réagir positivement au bien commun en les considérant comme un potentiel de développement durable et collectif, tout ceci ne s'exécute pas sur un simple ordre de l'exécutif. La culture joue un rôle extrêmement important à façonner les esprits. Nous avons entrepris une profonde réforme dans les institutions culturelles pour élaborer des programmes éducatifs destinés aux enfants et aux jeunes. Cela veut dire un énorme changement des institutions culturelles elles-mêmes, qui se sont habituées à un public adulte ou professionnel, passif, limité et surtout en voie de disparition, car elles n'attirent pas les jeunes, qui serait le public du demain. Mais il n'y a pas que le souci de l'élargissement des audiences. Tirana, qui est la capitale de l'Albanie, où je suis née et où je vis, a triplé sa population en 20 ans. Cela veut dire qu'après la chute de la dictature, la liberté de mouvement a entraîné d'importants déplacements démographiques vers la capitale, surtout des jeunes. Nous considérons que ces programmes éducatifs dont je parlais tout à l'heure, seront importants pour attirer aussi ces catégories de jeunes publics vers les produits culturels, vers les salles de théâtre comme lieu de communication et d'inclusion sociale commun. Il n'est pas trop tard pour ces institutions culturelles de saisir cette opportunité et de se transformer en terrain utile d'expérimentation où de nouvelles idées pourraient être testées sans aucune condition, facilitant le dépassement de nos propres frontières.
Si ces institutions sont incapables de devenir ces terrains d'expérimentation, les citoyens vont perdre une connexion importante à l'art et au patrimoine culturel et donc seront privés de la possibilité de la reconstruire. Et nous devons la reconstruire. Tant que l'expérience démocratique perdurera, nous devons sans arrêt créer et recréer l'art, réécrire l'histoire et ajouter de nouvelles perspectives au patrimoine. L'Albanie est un pays très riche en patrimoine culturel, avec entre autres deux villes historiques inscrites dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et un énorme parc archéologique sous sa protection, notamment Butrint. Ce patrimoine montre bien que l'Albanie est un pays riche en histoire de toutes les époques, de plusieurs origines, avec la coexistence de plusieurs cultures et religions, n'ayant donc aucune complexe d'infériorité à côté des autres civilisations avec lesquelles elle partage des espaces géographiques, économiques, des espaces de coopération et des espaces humains. Ces espaces ouverts amènent la culture et sa diversité à l'intérieur des tendances globales du développement de l'économie. Or, le patrimoine culturel n'est pas une nature morte, mais un habitat humain où l'histoire du passé se relie à la vie moderne. La beauté et l'esthétique n'est pas incompatible avec l'économie. Le maintien des demeures, l'entretien des rues, la sauvegarde de l'environnement rendent la scène urbaine plus agréable à vivre, surtout pour les jeunes. Mais il faut que ceux y participent activement. Sauvegarder ne veut pas dire congeler le paysage, mais le restaurer, le rentabiliser dans une dynamique veut dire développement. Et le développement n'est pas seulement une tâche assignée au sommet de la pyramide, mais surtout une activité de sa base, ce qui nous a poussés vers une autre réforme dans le système de la gestion du patrimoine qui vise le perfectionnement professionnel des administrateurs locaux du patrimoine, une meilleure couverture du territoire, un système de communication quotidienne avec les pouvoirs locaux, le développement non pas d'une économie pesante, mais une économie pensante. L'éducation de la population à travers la médiation culturelle dont le rôle nous paraît encore très important et requiert une importance évidente. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous rendre en Albanie et à le connaître. Vous y trouverez tout, les gens et les couleurs, la mer et la montagne, les folies et les sagesses, le sourire et la force. L'Albanie a connu les ténèbres et malgré tout, elle est toujours jeune, très jeune et captivante. Elle veut intégrer l'Europe et elle y réussira parce qu'elle en a les capacités, justement parce qu'elle est jeune et on a tous besoin de l'énergie. Des amis d'autres pays qui sont souvent venus en Albanie me disent qu'au départ, on a du mal à venir en Albanie, mais qu'après, on a beaucoup plus de mal à la quitter. Soyez les bienvenus. Merci.